c'est The Ludes, et on se retrouve sur Don't Go Insane. Voilà, je vais y arriver. Donc S1, hop, voilà. Où j'avais trouvé comment monter là-haut. Et on avait la prochaine énigme ici. Alors c'est parti. Ouh, il y a beaucoup de rouge. Ouh, j'aime pas ça. Oh, c'est pas cool ça, un labyrinthe dans le rouge. Ok. Ne pas trop s'approcher. Là, c'est un cul-de-sac. Donc c'est pas par là. Pas par là. C'est pas par là. À droite, toujours à droite. Aïe, bon bah pas à droite alors. Allez, non. C'est vraiment assez chaud. Hein. Vraiment y aller doucement. Toujours à droite. Bon, là, faut aller à gauche, mais c'est une exception. Ah, je tape pas du tout. Ok, c'était pas le chemin. Ok, bon, bah, toujours aller à gauche, en fait. Voilà. C'était pour vous, pour plaisanter un coup. Oh, je le sens tellement pas, cette épreuve. Oh, je la sens. Oh, putain. Non, mais ne me tue pas quand je réapparais. C'est pas gentil de ta part. Oh, allez, bah, ce chemin-là, je le sens bien. Bon, en même temps, quand on fait deux possibilités sur trois et que c'est les deux qui sont pas bonnes, logiquement, c'est la dernière. Et c'est toujours la dernière. C'est exactement le même. C'est toujours du 1 cube sur 1 cube avant de se faire tuer. C'est toujours le dernier qu'on se fait buter. C'est psychologique, en fait. Je suis sûr. Ça sent les Illuminati. Hashtag pas du tout. Allez, 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 allez. Je sais pas du tout où je vais, en fait. Mais j'avance, c'est tout ce que je sais. Où est-ce que je vais? Absolument nulle part, je tourne en rond. Donc c'est bien à droite qu'il faut aller. Donc j'aurais loupé un chemin. Aurais-je donc loupé un chemin? Ah mais on est d'accord qu'on passe pas là. Là je passe pas et là je passe pas. Mais si je prends l'eau, je passe pas non plus, remarque. Ah merde, si on passe. Oh shit. Est-ce qu'à votre avis je peux tenter le diable? Oui! Non, ok, on peut pas tenter le diable. Hein. J'ai testé. Et vous avez vu, je vous l'avais dit que c'était toujours à droite. Le mec pas crédible. Aïe. Je déteste ces épreuves, c'est horrible. Donc c'est à gauche cette fois-ci. On va là. C'est à peine labyrinthique. Hein. Je suis sûr que c'était le labyrinthe le plus simple du jeu et c'est moi qui me prends dans la gueule, quoi. Labyrinthe pas cool. Ok, je suis passé. Bouton. Ouais, il bloque, il s'est enlevé. Nice. Oh. C'est parti. Pour mon soin. Wouhou. 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 Là, je monte pas là. Wouhou. Ah bah voilà, et on sort. Oh putain, j'aime pas ça. Il fonce dans le dos. Non, rien. Si je recule en regardant ce truc là. Oh oh, et voilà. Ok. Ça c'est le stock qui est pas faisable. Ah bah si. Et si jamais on tombait? D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Un mur blanc et un bouton. Regarde ce qu'il fait absolument. Oh, de la pastèque. Oh, masse melon.
Pastèque. Alors ça, tu vois, je m'en fous un peu. Ouais, j'ai du melon à l'infini. Et à quoi pourrait servir ce melon? Je peux pas le poser. Ah bah si. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va voir ça, hein. Faire ligne par ligne. On va monter à l'étage. Ah, ça nous fait des chiffres. Donc 5, 7, 4, 6, 2. Voilà, comme ça je le garde en commentaire et après je fais quoi avec ça? Il fallait vraiment l'effacer? Je suis pas sûr là en fait. Je pense pas en fait qu'il fallait effacer. Bon, on va vite fait le refaire, hein. C'est pas très compliqué parce qu'on connaît. On connaît maintenant. Et maintenant par où il passe. Voilà, 5. Non, 5-1. 5-1. Ça, je sais pas ce que c'est. 5-1-4-6-2. 5-1-4-6-2. Ok, 51 462. Ok, je fais quoi moi avec ça? Faut se le faire dans l'écran dans 5 1 4 6 2 en soi, autant de melons ne sert à rien. 5, 1, 4, 6, 2. Bah oui, alors. Tu veux que je fasse quoi, moi, avec ça? Non, mon gars. Qu'est-ce que je dois faire? Je crois pas vraiment bien comprendre, là, en fait. Est-ce que si je retourne en arrière, peut-être que. Si je longe les murs, non. Oh, attendez, ce bouton-là, il n'y était pas avant. Ce bouton sert strictement à rien. Ouais, d'accord. Ah, j'ai oublié là. J'ai oublié un truc, là aussi. Ah merde, non, ça t'a 7. D'accord. Tout s'explique alors. J'aurais oublié certains trucs, peut-être? Que c'est ça?
Non, peut-être pas en fait. Cinq, sept, quatre, six, deux. Ok, mais après je fais quoi avec ça? C'est un 9, sérieusement, c'était un 9 et pas un 5. Oh là là, attendez. On va vraiment vérifier tout, hein. Ok. Niveau 2. Aïe. C'était pas un 8, non. Bien juste ça, rien. Bah c'est bon. Oh! Oh! Ok, un passage s'est ouvert. Nice! Ok, donc. Aïe! Ça fait mal. Ok, d'accord. On va avancer en sneak, hein. Ton sneak tranquillement. Bouton. Ah, ça pue la merde. Oh, ça pue tellement la merde. Bon. On y va. Je vais me casser la gueule. End. Oh, des gâteaux. Congratulations, you are. Oh my God. Quoi? Bon, je peux pas prendre mes. Non, attendez. C'est trop bien foutu. C'est un tableau en fait. What? Quoi? Par contre, mec, t'as fait ça comment, toi? Un mini gâteau comme ça? Ok, d'accord. Bon, bah voilà, j'ai déjà fini. Donc, thank you for playing. Blablabla. Blablabla. Ok, d'accord. Donc il y a des niveaux supplémentaires. Est-ce qu'il y a un truc caché, à votre avis? Apparemment pas du tout. Ah ah! En fait, c'était pas du tout là, mais bon. Ah non, d'accord. Il y avait 10 easter eggs. Putain, j'en ai même pas eu un. Bon. Bref, voilà. Putain, c'est vraiment bien foutu cette histoire. Putain. Bref, merci d'avoir regardé. Waouh, ça flash. Merci d'avoir regardé cet épisode de Don't Go Insane. Donc l'épisode 2, j'espère qu'il vous plaira. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce vert, à aimer tout le reste, partager la vidéo, etc. 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 Donc un grand merci à vous. Sur ce, c'était Zeluz. On se retrouve pour un nouvel épisode, pour une nouvelle série. Sur ce, c'était Zeluz. Pour la deuxième fois, faut que j'arrête de me répéter. Ciao tout le monde. Bye bye. Merde, mauvaise touche.